Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cinquième Mac Mamie. Pourquoi sortir un Mac Mamie? Tout simplement parce que vous avez été nombreux à m'envoyer des courriers, des lettres, des mails, à venir sonner à ma porte pour me demander quand est-ce que sortirait la prochaine vidéo de Mamie Twing. Et puisque l'émission ne revient qu'en octobre 2011, je me suis dit un petit Mac Mamie, ça pourrait toujours faire du bien. Alors je sais pas si on a entendu le camion passer dans ma rue, désolé. Mac Mamie dédié au patch 4.2, vous l'aurez remarqué avec cette petite introduction, je me suis fait plaisir sur la musique de Shattering, un très beau passage qui remémore la toute première musique de World of Warcraft qui en a fait vibrer des centaines, des milliers, des millions. Moi-même également, vous remarquerez que j'ai trouvé un petit cuistot qui cuisine des burgers, donc référence au Mac Mamie. Pour ceux qui sont intéressés, comment est-ce que j'ai fait pour faire des rotations quand je filme, c'est un add-on qui s'appelle, vous m'excuserez une seconde, je vais aller voir ça dans le jeu tout de suite, c'est un add-on réalisé par un movie maker qui s'appelle, je vous lis ça, Caméra Plus, qui est téléchargeable sur internet, sur Curse. Je mets le lien en dessous dans dans la description de la vidéo. Caméra Plus, qui est tout à fait mise à jour pour le patch 4.2, ça marche très bien. Et c'est très très pratique pour faire des vidéos de paysages où on peut tourner de manière fluide. Voilà, passons tout de suite au patch 4.2. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Eh bien, tout simplement, les quêtes journalières. Parce que moi, je ne fais pas de raid puisque je n'ai pas le temps. Bon, je poste les first kills, les first machins, mon dieu, qui intéresse certains joueurs. Non, moi, j'ai pas le temps de faire des raids. Et ce qui m'intéresse, c'est les quêtes journalières, qui sont plutôt bien fichues. Ça se déroule en phases. Il y a 4 à 5 phases individuelles, non pas phases dépendantes du serveur, comme on aurait pu le voir à Burning Crusade pour le plateau du Puits du Soleil, j'espère que je ne me trompe pas sur le nom. Non, c'est des phases individuelles, donc vous devez farmer des marques pour pouvoir avancer dans les quêtes journalières. C'est un peu triste parce que si on a un reroll, il faut se retaper entre guillemets toutes les quêtes journalières, toutes les phases. Ça prend du temps, ça prend plusieurs semaines pour débloquer l'armurier qui vend les patrons épiques. Enfin, pour craft des objets épiques, les objets épiques et toutes sortes d'inutilités. Mais c'est très très intéressant, il y a des quêtes assez originales où il faut lancer des nounours et des tortues, sauver... c'est pas sauver Willy l'ourson, ma blague est nulle. Enfin bref. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il y a pas mal de hauts faits liés à ces quêtes journalières. On compte jusqu'à 14 hauts faits pour les amateurs de hauts faits, donc... à faire absolument, surtout que certains sont vraiment sympas. Bien évidemment, pour vous aider, il y a le guide du patch 4.2 quête journalière et le guide des hauts faits sur mamietwing.com, fort apprécié par les joueurs. N'hésitez pas à venir y jeter un coup d'œil, ça vous aidera très certainement. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est un autre registre, mais en rapport avec le patch 4.2, puisque depuis ce patch, World of Warcraft est devenu gratuit entre guillemets. C'est-à-dire, si vous avez un compte d'essai, désormais vous pouvez jouer à l'infini sans payer. C'est-à-dire, avec le compte d'essai, vous allez pouvoir jouer de maintenant jusqu'à la rentrée scolaire, par exemple. Le seul truc, c'est que vous êtes limité dans pas mal de domaines et vous êtes limité jusqu'au niveau 20. Mais voilà, jusqu'au niveau 20, il y a plein de trucs à faire, et c'est ce que Godot, un membre émérite du forum de Mamie Twing, tente de nous prouver via le journal de Godot, où il essaye en fait d'acquérir le meilleur équipement disponible au niveau 20, de réaliser toutes sortes de hauts faits, récupérer le maximum de montures, donc c'est très sympa, c'est une forme de Twing entre guillemets, sauf qu'il va pas en BG tuer d'autres joueurs, c'est juste essayer d'optimiser son personnage au maximum, d'explorer au maximum le monde gratuit, free to play, comme on dirait, de World of Warcraft. Voilà. Pour terminer ce Mac Mamie 5, puisque je vous rappelle, un Mac Mamie, c'est censé être court, puisque je n'apparais pas à l'écran, enfin, pas pour le moment. Donc, il y a beaucoup de contenu à filmer et tout, donc je fais court. Pour terminer, une vidéo qui a été postée en news sur mamietwing.com et qui a vraiment plu, c'est la vidéo du rêve d'émeraude. En gros, c'est un joueur nommé Thierry dans la vraie vie, puisqu'il était présent à l'IRL de Mamie Twink, émission 21,
Thierry a réalisé une vidéo où il nous présente le rêve d'Emeraude, une zone de World of Warcraft qui est disponible depuis en fait le tout début du jeu. Elle est présente depuis le tout début du jeu dans les fichiers de jeu et on peut l'explorer. Bon, pour l'explorer, il faut être plutôt expert en la matière d'exploration. Je pense même que il y a quelques modifications de fichiers, enfin c'est, je ne saurais pas vous expliquer comment il a fait ça, lui non plus ne l'explique pas, mais c'est très joli, il présente le rêve d'Emeraude, une nouvelle zone inédite, en gros des nouveaux décors inédits, bon c'est assez vaste et vide, mais ça présente des types de plantes, de paysages inédits qu'on n'a jamais vus, et ça sera très certainement implémenté dans la prochaine extension, bien évidemment améliorée et peuplée. Mais voilà, on a déjà un aperçu du rêve d'Emeraude qui est, je vous rappelle, dans les fichiers du jeu depuis la sortie du jeu. Eh bien, nous voilà déjà arrivés à 7 minutes 30 d'un Mac Mami, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous donne donc rendez-vous pour un prochain Mac Mami, bien évidemment, si j'ai le temps d'en faire un avant que je ne reprenne le travail. En attendant, profitez bien de vos vacances, sortez, profitez du beau temps ou du mauvais temps, si ça dépend où vous êtes. Regardez le Tour de France et vive les frères Schleck, voilà. Bonne semaine à tous, bisous bisous.